Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, téléspectatrices et auditeurs, auditrices de Cadence TV Radio. Bienvenue dans le cinquième bulletin d'information, Cadence Info, qui passe sur Cadence TV Radio du lundi au samedi, dans l'heure que WAP gade la kaoula. Sans nous pas perdre du temps, nouvelle qui prend information pour cinquième bulletin d'information, hein, c'est la police nationale lui-même qui continue à si la reprend contrôle pays d'Haïti en cause de sécurité, li commencé dans village de Dieu, traverser la grand ravine, kounya la yo lan Badelma, y a fait toute opération sa yo simultanément. L'autre nouvelle qu'a fait actualité, nous connaît et comité consultatif indépendant li même li continue à prendre conseil, li continue à consulter, li continue à faire rencontre pour nous ka gagner une nouvelle constitution. Et nous continuons à causer sécurité, comme nous te dit nous là, nous pourrons venir avec la police nationale lui-même, qui continue à faire opération, non seulement dans le village de Dieu, dans Badelma, Kouniatou, et dans Grand Ravine. Président de la République, là, je dis à l'alte, elle recevoir deux turbignons qui étaient venus, et président de tout et profiter, parler avec la population, et aussi, il était parlé avec tout oligarque corrompu qui pavlait Haïti marché. C'est point ça où nous pral développer avec vous. Et puis pour nous finir, nous pral faut entendre comment ULCC lui-même était invité tout commissaire du gouvernement yo dans la juridiction yo et puis greffier au tout est là pour yo capable des instructions puis yo capable des formations sous qui sacré les corruption. Sans plus tarder, n'a pas entré et avec un mémo que DG la police lui-même nous connaît Léon Charles qui pas jamais perdu temps lui-même l'en prend des décisions pour permettre que pays a continue à avancer et l'en mémo que DG a te voyé et n'appelé pour nous il dit et police nationale d'Haïti et la PNH tient à informer la population en général et les amis de la presse en particulier que des opérations de police sont en train d'être menées afin de pacifier les quartiers dits de non-droit en vue de rétablir la paix et faire régner l'ordre notamment dans les zones sensibles de la région métropolitaine. Dans cette perspective, les forces de l'ordre, sur instruction du directeur général, M. Léon Charles, ont investi depuis 48 heures et le quartier de Village de Dieu et des zones avoisinantes dans le but de traquer et de débloquer et de déloger les bandits assiégeant ces espaces, constituant l'entrée ou la sortie sud de la capitale haïtienne. Le commandant en chef, M. Léon Charles, est déterminé à remplir sa mission et mettra en œuvre toutes les stratégies régulières de police afin de libérer la population de ses assaillants. Plusieurs structures de l'institution policière, dont la Direction des renseignements généraux, DRG, la DCPA, la DCPJ, des unités spécialisées telles que CIMO, UDMO, BOI, GARDCÔTE, USGPN, SWAT, SDCPJ, WES et l'ABRI sont mobilisés à ces fins. Les opérations se poursuivent et ne prendront fin que lorsque la population pourra tranquillement vaquer à ses occupations sans se préoccuper de la sécurité. C'est avec notre ça nous ouvert et bulletin de formation pour jodi à là parce que nous voulons que nous senti que tout bon vrai la police nationale là décide de mettre pied la terre pour la paix régner dans pays d'Haïti. N'a continuer avec bulletin de formation, hein? N'a entré dans causer et constitution côté nous connaît et membre et comité consultatif indépendant te continue à faire des rencontres et la rencontre ça yo rencontré avec un pile moun qui voulait parler et bay des conseils sur la constitution. C'est comme ça nous gagne et une participant là qui pral expliquer nous les mêmes qui proposition li te fait. M'a quitté nous tendre et puis après retourner après pour plus information dans bulletin d'information Cadence Info. Comment cette constitution devrait être élaborée? Quels sont les éléments qui doivent être introduits dans cette nouvelle constitution qui devrait quand même répondre aux désiderata du peuple haïtien? Nous t'ai parlé également de la
l'organe, l'organe qui doit charger de la réalisation des élections. Donc, il y a un ensemble de propositions que nous faisons en termes de modernisation de l'organe. Par exemple, nous faisons proposition que, au lieu que pour être capable de penser à conseil électoral permanent provisoire, mais être capable de penser de préférence à un nouveau nom tel que le Collège électoral national indépendant, dont le sigle serait CENI. On a défini maintenant la mission de ce CENI et comment CENI ça lui-même lui doit organiser. On a parlé également de la décentralisation, comment il faut rendre effectifs les départements en termes d'autonomie administrative, autonomie financière et autonomie fiscale. On a parlé également des modes de désignation de ces responsables qui auront à diriger, à siéger comme responsables dans les départements. On a parlé également de la question du bicaméralisme. Est-ce qu'il faut adopter le monocaméralisme ou bien est-ce qu'il faut adopter le bicaméralisme? On a fait des propositions en ce sens. On a parlé également du bicéphalisme de l'exécutif. Un président, un premier ministre, faudra-t-il conserver le bicéphalisme exécutif? Faudra-t-il avoir un président avec un vice-président? Ou faudra-t-il maintenir le président et le premier ministre? On a fait des propositions en ce sens, en tenant compte eh bien, des idérata, des désidérata du peuple haïtien. Donc nous pensons que les membres du comité consultatif indépendant aura à tenir compte de l'ensemble de ces propositions que nous avions déposées. Donc nous autres de la Chambre de commerce du centre, on a déposé deux mémoires dans lesquelles on a fait des propositions et on est allé dans nos propositions, même la déconcentration des pouvoirs publics, à savoir qu'il faudra rendre déconcentré. Un exemple que je peux prendre, pourquoi ne pas avoir, par exemple, un conseil, un cours constitutionnel dans le département de l'Artibonite? Pourquoi ne pas avoir le Parlement peut-être soit dans le département du centre? Pourquoi ne pas avoir, par exemple, le siège du CSPJ dans la ville de Kaï, etc.? La raison qui nous a habités en faisant ces propositions, elle est à la fois citoyenne, elle est à la fois politique, elle est surtout économique, parce qu'on a constaté que toutes les ressources sont concentrées à Port-au-Prince. Donc Port-au-Prince représente environ 60% de la République d'Haïti. C'est pourquoi quand on a des bagages dans Port-au-Prince, c'est tout le pays qui est bloqué. Donc s'il y a une nouvelle constitution, il faudra qu'on tienne compte d'une répartition citoyenne équitable. Parce que le pays n'est pas qu'à Port-au-Prince seulement. Donc il y a 10 départements, il faut une répartition objective des ressources du pays. Comment c'est? C'était Jean-Robert Charles lui-même qui c'est président Corpoua, lui-même qui t'a expliqué et proposition que le fait et pas caché dit nous, gain en pile en proposition que Jean-Robert Charles président Corpoua fait que nous même la cadence TV radio nous rejoignons nous là-dedans et son idée vraiment que nous pas tendant pile monde parler de ça. Pour qui ça, à part de si, la Constitution et 87 là, le fait qu'on est que siège gouvernement, li doué la capitale là, mais li pas dit que cour supérieur des comptes du contentieux administratif doué la capitale là tout. Li pas dit que CSPJ doué siéger la capitale là tout. Li pas dit que le Parlement doué siéger la capitale là tout. Ça veut dire son genre, pour ta rendre que décentralisation vraiment possible, parce que si gagne Parlement, li la département centre, ou exemple, ou bien le département du Sud, la vin ren ke kounya la gen plus activité dans zone sa yo. Le sa, tout l'argent vrai pa concentré dans bagay nou rele République de Port-au-Prince et depuis Port-au-Prince bloqué, toute activité bloquée, ça veut dire son gens éparpillé administration l'état yo à travers les 10 départements parce que tout 10 départements pa ka bloqué en même temps. Si n'ap gade le concept haïtien, ça veut dire son très 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 bonne idée que nous-mêmes nous joignons, nous adhérons dans tout et nous avons dit point
et tout et ça que Jean-Hubert Charles lui-même de président Corpoa lui-même lui dit nous rejoignons nous là-dedans. C'est ça n'a cherché la nouvelle constitution là toute rencontre qu'a fait pour que l'autre monde qui vient l'autre voix qui vient parler. C'est pas toujours même monde depuis 1987 yo, même monde qui t'a fait constitution, même monde qui t'a ban une constitution tête en bas, une constitution côté pouvoir ou n'a gouma l'autre, une constitution chargée à contradiction là-dedans et puis pour ces mêmes moun sa encore toujours qui pour venir là dans la nouvelle constitution. Yo bienvenu, yo gen place yo parce que c'est haïtien, haïtienne à part entière même j'ai tout monde qui en Haïti à l'étranger, mais cependant faut entendre l'autre voix parce que plein l'autre haïtien conséquent qui le pays d'Haïti qui permet nous continuer avec pays a pour nous aller de l'avant. N'a continuer nous pour traverser avec ULCC lui-même côté il t'a fait on nous ca disons une conférence débat côté invité invité tout commissaire gouvernement dans 18 juridictions et greffier autour pour venir parler pour venir débattre sous affaire corruption pour venir bay monsieur dame ça training pour connaître qui ça exact de corruption. Nous pour quitter nous tendez et comment et réunion ça t'a déroulé après ça n'a pour retourner pour plus information la cadence info. À tout à l'heure. Atelier ça fait pour commissaire gouvernement a greffier qui sorti dans différents juridictions pays a. Pendant des journées, participants ont dû recevoir plus connaissance sous loi 12 février 2008 là qui traitait question déclaration patrimoine nan. À travers initiative ça, unité lutte contre corruption entend pour tes réponses ak mal corruption ka la cause dans société a selon directeur général ULCC a Jacques Louis dit Joseph, l'état doué permettre chaque institution concernée yo jouer rôle yo dans bataille contre corruption an, d'après directeur général là. Cette démarche traduit notre volonté agissante de combattre en amont et en aval le phénomène aux effets dévastateurs qu'est la corruption. Si on doit espérer réussir ce combat que le gouvernement mène tambour battant, il faut absolument qu'on se dote d'instruments et de connaissances actualisées et avérées pouvant mettre en déroute les stratégies non sans importance des déviants, des récalcitrants et des contrevenants. Sous ma direction, nous faisons de la formation des agents qui interviennent dans la lutte contre la corruption une obligation. Nous croyons que combattre la corruption exige des attitudes instinctives et perspicaces permettant d'anticiper les risques et de sanctionner les faits incriminés accomplis. Combattre ce fléau nécessite une formation solide, susceptible de contrecarrer les stratagèmes continuellement renouvelés des corrompus et des corrupteurs. Ministre Justice et Sécurité publique là, Rockefeller Vincent, salier des massacres qui baillent même appareil judiciaire à outils pour faire travailler au plus bien. Ministre Vincent rappelait c'est un travail qui nécessitait apport tout secteur dans la société. La corruption nous vole, nous tue, nous agresse quotidiennement avec une arrogance sauvage, ce qui exige que nous appliquions toutes nos forces et toutes nos lumières à la terrasser. La corruption trouble la paix dans la cité, elle détruit notre image de peuple. Elle renverse les pouvoirs légitimes pour instaurer les camarillas à la tête de l'État. Nous devons donc l'anéantir par ses racines. Se conformant aux conventions internationales contre la corruption, l'État haïtien a pris plusieurs lois visant à faire taire les bruits assourdissants de ce mal chronique qui nous ronge à grande vitesse jusqu'à l'enrayer totalement. Pendant premier journée, intervenant au Techita sous thème tankou rôle commissaire gouvernement yo dans application loi 12 février 2008 là sous déclaration patrimoine présentation loi ça ak présentation ULCC. Atelier ça fait pour commissaire gouvernement a greffier et nous connaît que ULCC lui-même c'est unité lutte contre la corruption côté patron ULCCA c'est Ludwig Joseph lui-même il t'a parlé il t'a adressé avec
18 commissaires du gouvernement qui ont 18 juridictions et aussi tout greffier yo pour montrer importance puis au goumen contre la corruption. Et puis nous avons gagné tout ministre justice Rockefeller Vincent lui-même qui était là et qui t'a parlé sous importance pour nous couper corruption dans le pays d'Haïti. Parce que nous toujours dit nous ça dans Cadence TV Radio, plus précisément dans l'émission bulletin d'information Cadence Info, nous bail information que nous pas attendre dans l'autre média yo. Parce que nous-mêmes, nous ne sommes pas là pour nous faire sensation, nous là pour nous permettre de nous connaître ce qui a passé dans le pays d'Haïti sous plan social, économique et politique. Nous avons continué avec. Comment on a dit ça là? Nous connaissons Thierry Brick là lui-même, et parce que nous disons que c'est 6 sous 6 nous avons fait le bulletin d'information pour nous parler de la police nationale lui-même et qui ça l'a fait, qui activité l'a pris reprendre. Qui j'enlève le mettre la paix dans le pays d'Haïti. Comme nous connaissons, opération ça a commencé depuis le week-end qui s'est passé. Il a commencé. Et nous sommes dans le début à la mte li. Et nous avons dit, mais mots que la police nationale a mis dehors. Et nous avons dit, nous avons encore pour nous. Juste un jour pour nous bien comprendre ça nous avons dit là. Et parce que nous allons parler de police nationale avant de conclure l'émission avec déclaration que le président de la République, la Jovenel Moïse, fait pendant la recevoir matériel. Pendant la recevoir, il a dit deux turbines qui chaque gain 30 MW qui pourraient permettre que gain 60 MW en plus. Et il a dit électricité qui pour couvrir le pays à 24 sur 24. On fait lecture et police nationale d'Haïti, PNH. Et note que le mettait dehors, il dit la PNH tient à informer la population en général et les amis de la presse en particulier que des opérations de police sont en train d'être menées afin de pacifier les quartiers dits de non-droit. En vue de rétablir la paix et faire régner l'ordre, notamment dans les zones sensibles de la région métropolitaine. Dans cette perspective, les forces de l'ordre sur l'instruction du général du directeur général, M. Léon Charles, je ne peux pas Léon Charles, grade général, oui, directeur général, et M. Léon Charles, ont investi depuis 48 heures, ça veut dire, l'aide a sorti, l'aide a fait commencer, et mes mots a sorti, l'aide a fait commencer, et pendant le week-end, et 48 heures, et le quartier de Village de Dieu, et des zones avoisinantes, dans le but de traquer et de déloger les bandits assiégeant ces espaces, constituant l'entrée ou la sortie sud de la capitale haïtienne. Le commandant en chef, M. Léon Charles, est déterminé à remplir sa mission et mettra en œuvre toutes les stratégies régulières de police afin de libérer la population de ses assaillants. Plusieurs structures de l'institution policière, dont la Direction des renseignements généraux, DRG, et la DCPA, la DCPJ, des unités spécialisées telles CIMO, UDMO, BOID, Gardecôte, USGPN, SWAT, SDCPJ West et l'ABRI sont mobilisés à cette fin. Les opérations se poursuivent et ne prendront fin que lorsque... C'est ça, je voulais pour nous retenir. Dernière phrase, ça. Les opérations se poursuivent et ne prendront fin que lorsque la population pourra tranquillement vacuer à ses occupations sans se préoccuper de la sécurité. Ouais, dernière phrase, c'est pour nous retenir. Parce que ça, c'est mission que DG Léon Charles bail troupe là. Il dit opération a continué sous toute l'étendue du territoire national jusqu'à ce que, ça veut dire, il a pris fin, il a fini jusqu'à ce que population a tranquillement vacuer occupation et on pas préoccupé tant qu'on pas penser à question de sécurité. Ça veut dire opération ça a commencé week-end dernier là, li pourquoi fini. Tout autant tout bandit sur 27 750 km², sur l'étendue du territoire national pas batba, pas mété tout zamaté puis on dit définitivement ça fait gang nan fini sur l'étendue du territoire. Tout autant ça pas fait. La police a kembe opération ça net alcoolé jusqu'à ce que la paix retourne. Et c'est la même odidé ça que DG Léon Charles lui-même li passé instruction
Yo sorti dans village de Dieu, toujours là toujours. Yo entré dans grand ravine, tout opération ça fait ensemble. Kounia là yo descend dans Badelma. Après yo pral virer, bon m'pa vle di. M'ga tan toute information même pa vle et gantan bay, m'pa vle, m'a quitté la police fait pendant faire l'autre opération nous n'a parlé de ça. Parce que comme moi dis nous, bandi yo gen Facebook, yo gen YouTube, yo gen moun k'ap gade pou yo gen moun k'ap tande pou yo. Ça veut dire nous-mêmes nous ranger konou du côté de la police, nous du côté de la justice, nous du côté de la population haïtienne qui veut la paix tout bon. Pas des séries de monde qui pas veut la paix non, nous pas bon côté monde ça. Nous bon côté population haïtienne qui veut que la paix régne. Nous pas bon côté vieux journalistes qui a forgé information. Nous pas bon camper bon côté vieux journalistes qui a démobilisé troupes là. Là bas vieux nouvelles. Nous même nous pas là pour nous faire ça, nous là au contraire pour nous remonter moral troupe là pour nous permettre que yo fait job yo bien. Mais toujours dit ça. Là n'importe combat qu'a fait, que c'est la guerre, que c'est marcher des gangs. Nous fait pour toujours mettre connou bon côté la justice, bon côté la loi, bon côté force légale et légitime constitutionnelle yo. Parce que gon paquet de bagay qui t'a fait la société à la, c'est ça qui fait bandi yo prend toute force ça yo prend toute jaret ça yo. Et c'est une raison fait me content les opérations a fait la police quadrillé côté pour pas grand ken moun a ti bout de téléphone qu'a filmé qui pas ka entrer et river côté opération a fait parce que yo même job ba yo c'est déstabiliser la police ça. Fait buzz déstabiliser la police ça. Yo pas travail intérêt société à vrai. Parce que tout autant y a des blousailles, tout autant y a crasé brisé, c'est tout à fait plus buzz. Vous regardez pour eux, imaginez vous regardez là, c'est Badelma. Mais journaliste là, ou bien caméraman n'a pas foutu de son piba. La police impose le rivé. Et bien content tout, Léon Charles vient avec l'autre technique. L'opération a fait et pas qu'à toute la journée pour la presse. Ou a dit, pour pas la parler, pas gen sang encore, pas tant de sa fête. Parce que faut le serein. Faut le temps qu'on secret en puis c'est qu'on soit ka bien atteindre gang yo parce que gang yo comme on dit nous yo gen Facebook yo gen Twitter yo gen YouTube et yo gen journaliste qui travaille pour yo gen journaliste qui travaille pour yo qui prend pour journaliste mais éclairé ça veut dire yo camper devant il y a tout côté la policier en puis y a bail toute information sur qui machine la police a gen nous compte de ça en direct. Y a dit plaque machine yo, y a dit qui ça, c'est un gens puis qu'a gantan alerter bandi yo. Tactique que Léon Charles vin avec là, son l'autre tactique que ne pas dévoiler. Et me garantis nous ça, n'a pas son bonne fête de fin d'année et n'a pas entré l'année 2021 l'an la paix et la tranquillité. Ça, c'était ti update, c'était mise à jour que nous te fait sur la police. N'a vin avec plus information, l'an bulletin d'information demain parce que moi dis nous son l'autre stratégie qu'a utilisé là. On l'autre stratégie, n'a regardé pour nous même porte-parole la police DGA passer l'instruction, c'est pour qu'on y a là pour gagner quelle information qui sorti. Parce que yo voulait que opération faite en toute sérénité. Et me garantis nous ça, n'a pas une bonne fête de fin d'année. N'a continuer et nous gagne et président de la République là, Jovenel Moïse lui-même qui t'a le recevoir, nous connaît, qui t'a le recevoir et équipement yo, et nous connaît que président Jovenel pas parler à population parce que comme il t'ai dit, il décidé qu'on y a faut parler et ça nous songe ces conseils que Cadence TV Radio te bail. Nous t'ai dit que président de la République là, il pas qu'à kebe toute information pour lui, faut partager la grand public là parce que ça qui passé oligarque corrompu yo. Yo même yo gen batterie de moun k'ap parlé pour yo, toute radio, toute télévision, k'ap induit population né wè. Égal nous t'es passé et pas passé, non nous t'es dit et nous t'es bay conseil ça, un conseil salutaire et nous bien content que président di pren conseil là et nous wè moun commencer comprendre ça k'ap fait là, moun commencer wè que Haïti vrai k'a bon changement. N'a quitté nous tande et comment président de la République là, son excellent Jovenel Moïse, comment t'a parlé avec oligarque corrompu avec moun ki pas de quoi l'envision lio avec moun tout qui pas penser que Haïti son pays même j'ai tout pays Haïti doit gagner lumière 24 sur 24. N'a quitté nous tendez et puis n'a retourner tout à l'heure. Positif c'est pour nous yé. Pour que personne qui vienne chauffer tête nous, qui vienne dire nous que travail ça yo, c'est pas pour petit tout, avec petit tout yo.
C'est pour nous apprendre qu'on est si nous voulons construire un pays sur 20 ans qui est venu, c'est aujourd'hui pour nous commencer. C'est ça que nous commençons à faire. Quand tout le monde a souffert pendant l'affaire, même si tout le monde ça, quelle que soit la couleur, quelle que soit la richesse, quelle que soit la connexion, ou de mettre bien tout le gros président qu'on est sur la terre, je dis à pays, il y a un président, mais le campé devant, c'est le président de la République. Ça veut dire, on est qui comprend, avec ce bagage l'État dans le monde, ou qu'a déstabilise ou qu'a déstabilise pays là n'a gouma avoir et c'est ça nous commencer faire c'est n'a continuer faire n'a mettre ton être sous pour nous faire respecter les affaires peuple là parce que peuple ça souffrir l'a souffrir tout le monde connaît qui est-ce qui met elle dans ça chaque connaît rat connaît Barack Mariarit là jodia moment arrivé pour nous couper fâché avec monopole tilolite dans pays là. Moment arrivé pour nous couper fâché avec 3, 4, 5 nègres qui comprennent qu'Haïti c'est pour eux. Haïti c'est pour tout le monde qui est devant nous. Haïti pas pour vous seulement parce que vous êtes si un mauvais contrat et pour vous comprendre le contrat, ça vous prête vite à mettre un âme. Je dis, pas oublier dans qui moi nous sommes dans le mois de décembre, le 28 octobre 2019, nous avons dit nous couper. Et un an après, nous avons coupé le contrat, nous avons dit nous, là le bras le fait clair, chez les salles le bras le fait pinois. Nous sommes jeunes, moi, mes jeunes, Blackout, n'importe quoi. Ils ont changé de nom. Ils ont parlé de nous encore, non? Ils ont les messieurs Blackout. Je dis, il y a courant, courant, pas de parrain, il n'y a pas de parrain. Mais moi-même, c'est moi, monsieur courant, je dis, parce que je suis lui-même. Je suis pas courant pour que personne ne vienne nous tourner dans le fait nous encore. Je suis ouvert chez nous pour que personne ne vienne nous fermer les yeux encore. C'est pour nous qui sommes chez nous ouverts pour nous connaître, je dis, pays où mérité à c'est où pour construire. C'est pour nous mettre tête ensemble, jeunesse là, femmes yo, paysans yo, étudiants yo. Nous tous mettre tête ensemble pour nous construire Haïti nous réveiller. Même Jean General Electric jodi a, li porte ça le porter là. C'est avec l'argent. L'argent taxe soit rien pour. C'est pour un contrat non nous fait, bonne clair. C'est pour un grand nègre. Nous ba un contrat en bas table. De boutons de pays a boule, pays a craser de boutons de 30 rivé 12 millions. Pays a boule la crasé depuis 30 rivé 12 millions. EDH même, EDH qui t'a supposé, c'est le coup t'a supporté, là tu n'as pas besoin de pire. EDH te gagne 8 normal, yo même yo gagne 12, ça fait 20 chaque mois. M'fouye même dans 20, je dis à ma remette EDH qui a été enterré dans tout, m'déterré, ma EDH pour EDH vin servou. Central, ça qui a pas construit là, c'est pas pour personne lié, c'est central, l'État haïtien. Par exemple, pas tout informer nous. Central ça nous est derrière nous là. C'est pas pour l'État lié. Pourquoi nous avons bluffé nous? Central ça nous est qui derrière nous aujourd'hui, après 10 ans, qui pas même qui était supposé produire 30 MW avec 20 moteurs, qui a produit aujourd'hui après 4 à 5 MW, c'est pas pour nous lié. Ça veut dire son location lié. Aujourd'hui, avant nous clairer nous pour nous connaître, l'État prend décision comment le prendre. Central ça. Cap construit là c'est pour l'État lié, c'est pour lié, c'est pour EDH et toute notre centrale qui a pu construire à Béliya, c'est pour l'électricité d'Haïti. Pas grand yon bat cap cap fait dans le pays encore. Jodia, cette histoire n'est pas dit, nous sommes jeté musique là, bon fer noir, bon black out, s'il vous plaît. Jodia est lumière, c'est lumière pour demander, nous ne pouvons pas demander fer noir, black out encore. Tout l'argent qu'on a dépensé sur nos peuples là, l'argent qu'on a dépensé pour peuple là, c'est pour venir dire comment on dépense. Central ça, c'est pour l'État haïtien à 100%. 100%. 120 MW et combien comme 120 MW là total a coûté 120 millions de dollars. Première phase a coûté 57 millions 488 000 dollars l'argent. M'a compte, m'tendez au Jim, au président ou c'est le van dans toi dit. M'tout dit nous ça. Si n'a crasé pays à son moins nous mettre tout craser parce que van n'a pas le pirate. Pour le peuple, il va le serrer pire. Parce qu'il faut le serrer pour sortir dans mon yo, pour porter au venir pour dépenser pour moun sa yo, les oubliés de la République, moun yo te oublié net yo. Moi, même à dire non, étrangers qui travaillent là, haïtiens, protégez yo, voyez yo, gardez yo. Parce que nous comptons que vacabond mal intentionné, qui toujours venu comprendre yo, qui venu faire des autres là, c'est pour nous jongler yo depuis nous revenir là. Puisqu'on est yo. Et bien, on là pour venir travailler nous. Nous avons des gens qui ont fait un jouet. Jongler. Piche qu'on nous, on vient jouer là. Parce que c'est un jouet là. Nous avons mis la lumière pour le peuple là, pour qu'il y ait des gens là-dedans.
en monde, c'est machin en serré. Jodi a, c'est pour qu'on est perdu, c'est pour qu'on est prendre en courant. Faut au courant pour prendre en courant. Ça veut dire jodi a, pas une question de venir cracher par le peuple encore. C'est mettre sous côté pour train courant parce que côté me sorti a, m'va venir ici pour me deviner persécuter personne. Je viens ici pour me combattre fait noir, pour me combattre sous-développement, pour me combattre misère, c'est ça m'a fait. Moi, je m'en en pile. Merci en pile. Bon, et c'est sous notre ça. Et nous disons nous bien contents que nous sommes là avec nous après-midi. Hein, et pour nous permettre de mieux comprendre ce qui a passé. Et l'ambulatoire d'information, parce que nous connaissons tout avant d'aller. Nous toujours faut analyse cap tout coûte et nous ouais Jean président se parle là il dit travail a fait commencer et on prend l'en courant de pour les camper devant train changement et créole parler créole comprendre faut monsieur Damio qui besoin déstabiliser pays a besoin craser pays hein faut faire très attention puis on pas prendre l'en courant. N'a pas dit tout le monde pas oublier et coronavirus a toujours bel et bien existé. Mettez cache-né, respectez distanciation sociale yo, lavez menon, utilisez hand sanitizer et puis pas oublier tout que gen en pile réunion qu'a fait là dans moment n'a parlé là et au état major de la police nationale là réuni là parce que c'est sans prendre souffle, il pas dormi ensemble avec l'armée d'Haïti puis continuer mettez la paix et la tranquillité. L'an pays d'Haïti, comme moi dis nous avons la dernière petite phrase et qui l'a mémo que la police nationale, que DG Léon Charles Medea, lui fait connaître que opération pape campé, tout autant, population haïtienne n'a pas qu'à vacuer à occupation, et tout autant, nous pas qu'à vivre, même j'en ai vivre dans le pays, pour ne pas en penser de causer sécurité, tellement la paix a blaye dans le pays. C'est sur notre salle de tout le monde, pas oublier que Cadence Info lui-même, lui passé sur Cadence TV Radio, du lundi au samedi, l'an l'op gade la kaola. Pas oublier, abonner, partager, like et puis commenter. N'ap dit tout le monde, à demain pour dernier bulletin d'information pour ce maintenant. Et dimanche 3h de l'après-midi, débat pour nous avancer, côté nous pral parler politique du et nous pral permettre tout ou ka participer. Le konsan gen deux lignes téléphone nous ouvert pour nous permettre de participer. N'ap dit tout le monde, à demain pour dernier bulletin d'information pour ce maintenant. Bye bye tout le monde.